Oh bah moi je vais avoir Iggy Pop, c'est évident, mais tout est intéressant quoi. Tous les groupes que réunit Ben sur les 118 groupes, par exemple tout à l'heure il va y avoir The Cult, il y a Rob Zombie, il y a O'Queen, il y a plein de vieux et, comme Judas Priest, Scorpion, et puis il y a tous les jeunes groupes de métal qui va nous chercher en Amérique. C'est vraiment un personnage, l'organisateur, je le connais bien parce qu'on s'est retrouvés ensemble sur un voyage à Baltimore où il venait voir Motley Crue. Et ce qui m'avait surpris, c'est que la nuit, pendant que nous, les rock critiques, on allait dormir, lui, il repartait dans les clubs de métal en ville, voir s'il n'y avait pas des nouveaux groupes qui pourraient l'intéresser. Donc c'est un gars qui est formidablement intéressé par le métal et qui essaye de faire profiter tout le monde, quoi. Il veut faire venir un maximum de groupes. Il y a quand même 118 groupes en 3 jours. Ça mérite le respect, quoi. Riding seven nights a week. Oh, non, mais on n'a pas de chouchou favori, on aime bien les groupes à rock et folk, on suit un peu tout ce qui se passe, on a des... Ah, dans les nouveaux groupes, non, franchement, j'ai pas vu arriver des groupes formidables, on est tous... comment vous dire, le métal, c'est une scène incroyable, il faut attendre que les gens choisissent, quoi. C'est pas la peine d'essayer de leur indiquer la direction. Il y a des trucs entre les groupes et le public. Alors, est-ce que ça sera Bone Crusher? Est-ce que ça sera, je sais pas, les groupes du futur? On peut pas les deviner, quoi. Il faut que les gens choisissent, quoi. Ouais, moi j'avais adoré cet album. Mais c'était une erreur d'accès, le public n'a pas du tout apprécié. C'était pratiquement, techniquement, c'était un album solo d'Axl Rose. Et il a essayé de vendre ça comme un disque de Guns N' Roses sans Slash. Ça le fait pas, quoi. Et les gens n'ont pas du tout aimé. Et récemment, j'ai ressorti l'album, parce que c'est marrant, je l'ai ressorti il y a 15 jours pour réécouter. Et je trouve ça incroyable. Je pense que tout le monde est passé à côté d'un disque fantastique. Bah, ils nous ont bien déçus parce qu'ils nous ont abandonnés en pleine route, quoi, les Guns. On comptait vraiment sur eux. C'est toujours ce problème. À partir des Sex Pistols, les groupes désignés par les générations ont pas tenu, que ce soit les Sex Pistols, Nirvana ou Guns N' Roses, pour des raisons X, Y ou Z qui sont toujours différentes, la pression est trop énorme. Peut-être que la pression est trop énorme. Les groupes qui tiennent, c'est Maiden, c'est Judas Priest, c'est des groupes qui ont donné les. Qu'on ramait souvent 4 ans avant d'arriver à trouver leur public. Et c'était bien parce que c'était organique, quoi. C'est des groupes solides, c'est des groupes qui veulent que ça continue. J'étais avec Iron Maiden en Amérique du Sud il y a 2 mois. Ils continuent à tourner dans des stades. Il y a un public nouveau pour eux là-bas. Ils vivent une aventure incroyable avec le Chili, avec le Pérou, avec le Brésil. Et le Mexique, c'est dingue, enfin voilà, pour ces groupes-là. Donc la vie est très très longue. C'est des types de 58 ans, hein, ils ont mon âge, et ils voient un nouveau public, un nouveau territoire, des stades à remplir, donc c'est génial, quoi. Lemmy, Ozzy, c'est absolument horrible, il nous reste plus que 5 minutes pour finir le show. Ouais, bah c'était un truc qu'on avait fait pour les Enfants du Rock, c'était pour Rêve de Fer, et c'est dommage qu'ils aient pas mis la séquence en entier, parce qu'au début, il y avait Ozzy Osbourne. Dans la séquence, j'avais organisé une rencontre entre Ozzy Osbourne et Lemmy. Et on avait décidé de tourner une séquence rigolote au Novotel Bagnolet. Ça se passe au Novotel Bagnolet, où il nous montrerait comment il détruisait une chambre. Voilà, donc là, c'était passé dans une émission qui s'appelait Rêve de Fer. Et on avait même interviewé les fans de Venom à l'époque. C'est vous dire si on était en pointe, quoi. C'était une bonne époque, quoi, parce qu'on était à la télé, on arrivait à faire passer des choses comme ça à la télévision. Aujourd'hui, ça serait incroyable. L'émission Rêve de Fer, telle qu'elle était, j'aimerais bien qu'elle repasse aujourd'hui, quoi. Alors là, on est en train de s'occuper de rééditer beaucoup de choses des Enfants du Rock. On va les ressortir pour Noël prochain, ouais, parce que il se passe pas grand-chose, en vrai. J'ai terminé la discothèque idéale tome 2 que tout le monde attend depuis 7 ans. J'avais dit que je le ferais, donc là
Ils me sont un peu tous tombés dessus en disant là c'est cette année pour Noël, il faut qu'il y ait la discothèque idéale 2, elle sera là. Voilà, on vient de terminer là, ça part à l'imprimerie ces jours-ci, ça sera là pour Noël, avec le DVD des Enfants du Rock. Voilà, c'est mes projets. Non, là c'est. La télé aime pas la musique. Hein. Chaque fois qu'il y a de la musique à la télé, les gens zappent apparemment pour aller voir sur les autres chaînes ce qui se passait. On vit un truc très dur. Si vous regardez la télé, vous voyez arriver un chanteur que vous aimez pas, vous zappez immédiatement. Si vous voyez arriver un homme politique que vous aimez pas, vous restez pour voir s'il va pas dire une connerie. Et donc, les émissions de rock ont été remplacées par des émissions de débats politiques. Les hommes politiques sont là, ils ont pris la place des rockers. C'est très dommage. Les décideurs sont pas très rock'n'roll. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait une radio comme à Los Angeles, des radios classiques rock où on entend les Whitesnake, les Scorpions, enfin tous les groupes comme ça qu'on aime bien, quoi, qui passent à la radio. Nous, tout est à faire. Hein, vous voyez, ici en France, tout est à faire. Et c'est pour ça que j'aime bien le Hellfest et Ben Barbo, parce qu'ils l'ont fait et ils prouvent que ça marche. Bon, maintenant c'est fini, voilà, tout le monde a tout téléchargé, je crois que mon ami les données. Voilà, on fait avec. Hein. Les places de concert ont augmenté à mesure que les gens n'achetaient plus de disques. Hein. Voilà, on en est là, c'est le prix à payer, il reste là, quoi. Bah, je vous ai envie de dire, passez un bon festival, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie, je vous souhaite à tous du soleil. Et de toute façon, avec les groupes qu'il y a, c'est pas du mou de veau là, Hellfest, voilà. Thank you! Merci mes amis!